Salam alaikum, Azulf Lawan. Bonjour. Approchez, approchez. Approchez, approchez, comme d'habitude, je vais vous faire une confidence. Mais que ça reste entre nous, comme d'habitude. Vous savez, la main étrangère, celle qui est partout en Algérie pour faire du mal à l'Algérie. Comme on l'a éventée, on sait d'où elle vient, on l'a repérée. Nos services sont tellement aux aguets, vigilants, que maintenant on ne passe plus. Alors la main étrangère a trouvé une autre combine. Approchez encore un peu. Maintenant la main étrangère se déguise en sanglier. Promis juré. En sanglier. Je vais vous le dire maintenant, vous allez voir. Je vais vous le dire. Vous n'allez pas croire. J'ai l'impression qu'il y a un problème technique. Il y a un problème technique. L'essentiel, c'est que le problème du sanglier, en fait, à Oran, ça a été découvert à Oran. Je vais vous en parler. Air Algérie, maintenant, nous a habitués aux catastrophes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Air Algérie? C'est la série noire. Cette compagnie a à peine le temps de communiquer, souvent très très mal d'ailleurs, sur sa dernière catastrophe, qu'une autre vient tout aussitôt l'éclipser par une autre catastrophe, qui vient à son tour l'éclipser par une autre catastrophe, etc. Y aurait-il une malédiction d'Air Algérie? Des cinéastes vont-ils bientôt s'intéresser à ces étranges phénomènes qui frappent le pavillon national? Vont-ils nous faire un film avec plein de musique sinistre, comme celui de la malédiction des pharaons? En tous les cas, le DG et son équipe, le DG d'Air Algérie bien sûr, et son équipe, son clan, rétorquent les autres, ceux des clans opposés. Ce DG donc affirme mordicus qu'il y a un complot contre lui. Donc, dit-il, contre l'Algérie. Voilà, aussi simple que ça. Les clans adverses, sans sortir du bois, envoient insidieusement des flèches empoisonnées et disent que le seul ennemi du DG et de son clan réside dans leur incompétence hurlante. D'autres, comme l'indécrottable et le très pieux devant le Seigneur, mais aussi le très bien nommé Roule, chuchote que derrière toutes ces catastrophes à répétition se trouve la main étrangère, celle qui est bien sûr derrière tout ce qui ne marche pas en Algérie, c'est-à-dire tout. Mais la thèse, c'est compliqué quand un sanglier, celui dont je vous parlais tout à l'heure, a chargé et a percuté un avion d'Air Algérie en pleine piste, à Oran. Vous imaginez? La réunion au sommet, consultation du DRS pour tenter de démasquer tous les agents de la main étrangère déguisés en sangliers. Il faut sauver le soldat Boltef, cochon, pardon, sanglier qui s'en dédie. Et là, tout le monde attend. Pendant tout ce temps, le temps de la malédiction, les promesses de Roule sur une spectaculaire baisse des prix qui nous a annoncé à grand renfort de propagande sont restées paroles et paroles. Les immigrés ont encore servi de vache à lait à une compagnie qui n'a, paraît-il, jamais fait de bénéfice depuis sa naissance. Pas un seul exercice, malgré le quasi-monopole et l'exploitation de nos compatriotes de la diaspora. Mais tous les exercices,
depuis sa création, ai-je dit, si l'information se confirme. Mais bon, alhamdoulilah, tout le monde n'est pas perdant dans ces histoires. L'aigle bleu, lui, la compagnie Aigle Azur, plane très au-dessus des cimes statistiques des bénéfices. Elle continue d'engranger des fortunes mirifiques. Personne ne l'a jamais dit, même pas les journalistes les plus libres du pays. Aigle Azur est le seul vrai bénéficiaire d'un monopole qui ne profite qu'à Aigle Azur. C'est ce qui s'appelle du cousu main. C'est ce qui s'appelle voler au-dessus, voler au-dessus des contingences imbéciles. Alors, bon vent à glazure, bienvenue aux grues dans le pays des grenouilles. Aujourd'hui, Al-Watan. Al-Watan, aéroport de Constantine, une panne technique sur un ATR crée la panique. Même si le journal n'apparaît pas, c'est pas grave, je vous le dis, c'est pas grave. Ensuite, TSA, un avion d'Air Algérie, percute un sanglier sur l'aéroport d'Oran. Et enfin, El Watan, un avion d'Air Algérie, fait demi-tour à cause d'un problème technique. Avec nous, Brahim Younsi, président de l'UDM, et Adjoud Yassine, membre du CCTA, collectif contre la cherté du transport aérien. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité encore une fois. Merci. Merci à vous. Alors, c'est Brahim, pourquoi le régime algérien maintient-il un monopole pour Air Algérie, alors que malgré la vache à lait de nos compatriotes à la diaspora, qu'on pressure jusqu'au sang, l'Algérie est toujours perdante, elle est toujours déficitaire chaque année. Donc, autant lever le monopole et continuer de la subventionner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de maintenir un tel monopole alors que tout de toute façon, on ne fait pas de bénéfices? C'est vrai, enfin, le monopole n'existe pas en vérité parce qu'il y a d'autres compagnies aériennes, à l'international évidemment, qui font par exemple la ligne Paris-Alger ou Alger-Paris. Donc l'Algérie n'a pas le monopole, notamment sur cette ligne, en l'occurrence. C'est Brahim. Quand je parle de monopole, parce qu'on a passé plusieurs fois l'émission sur ce sujet, nous parlons de monopole. C'est-à-dire les compagnies qui pratiquent des prix low cost, comme on dit, ne sont pas admises à le faire en Algérie. C'est ce qui explique que pour aller en Tunisie, oui, au Maroc, trouver des prix, vrai, alors c'est que l'Algérie, c'est des prix raison. Prohibitifs seulement parmi... Le projet. Oui. Seulement, il faut le dire, hein, ceci est une réalité, mais il y a au sommet du pouvoir des réticences. Il reste encore au niveau du pouvoir des gens qui sont encore attachés, entre guillemets, à l'entreprise publique, à la nationalisation d'un certain secteur, notamment celui des hydrocarbures et celui des transports aériens en particulier et celui des chemins de fer. Mais la privatisation ou le projet de privatisation, et ça vous le savez, avait commencé déjà au début des années 2000. Oui. Et notamment le projet de privatisation, sinon l'ouverture du capital d'Air Algérie avec Abdelhamid Tamar. Oui. Abdelhamid Tamar, qui était ministre des participations, un grand ami à notre cher président. Abdelhamid Tamar, comme ministre des participations et de la promotion des investissements, il y avait beaucoup travaillé. Oui. Il y avait beaucoup travaillé. Comme Chakib Khalil avait beaucoup travaillé sur la loi des hydrocarbures, sur les hydrocarbures, qui a failli privatiser toutes les hydrocarbures en Algérie. Tout à fait. Tout à fait. Donc les projets de privatisation, seulement qui va en bénéficier? Il y a beaucoup de nababs du pouvoir qui voudraient acheter, surtout après tous les incidents qui se sont produits, et les accidents, si ce n'était l'accident qui avait fait plusieurs dizaines de victimes
au-dessus du Mali, au Mali, tout ce que vous avez raconté prêterait à rire. Oui. Mais hélas, dans cette affaire, il y a des morts et il y a des victimes. Oui. Hein? Mais ceci étant, la tentation ou les tentations de privatiser Air Algérie, en tout cas d'ouvrir son capital, existent bel et bien. Je vous rappelle, tout simplement, qu'en 2002, oui. en 2002, oui. Le pouvoir politique, c'est-à-dire la présidence de la République elle-même, parce que nous sommes en pleine affaire Khalifa encore aujourd'hui. Oui. Hein? La présidence de la République elle-même avait donné injonction, avait fait injonction au ministère du Transport et à l'Algérie de signer un accord commercial avec Khalifa Airways. Oui. Et c'est déjà un début de privatisation d'Air Algérie. Et cet accord prévoyait un partage des coûts commerciaux et une mise en commun des appareils pour les vols à la fois nationaux et internationaux. Bon. Et c'est dans ce cadre-là, pardon. Comme c'est le cas aujourd'hui avec Aigle Azur. Hein, c'est... Absolument, absolument. C'est pour ça que je voulais en venir. Vous avez cité à bon escient Aigle Azur. Et c'est en cela que... c'est pour cela que Khalifa Airways a été créé avec l'accord politique, ou avec l'accord des politiques, avec l'accord du pouvoir, et qui avait changé totalement la donne sur le marché aérien. Et bien entendu, in fine, il avait pour objectif l'absorption pure et simple de la compagnie nationale par la compagnie privée, en l'occurrence Khalifa Airways. Et on allait vers là. Si l'affaire Khalifa n'avait pas éclaté, comme vous le savez, tout le monde le sait, Air Algérie serait probablement aujourd'hui une entreprise, une compagnie privée. Restez avec nous, Brahim Younsi. On va revenir sur ce sujet très intéressant. Nous recevons maintenant M. Adjouj Yassine. Donc, merci de nous avoir rejoints, M. Adjouj. Oui, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous ces promesses de rôle sur les prix, sur les réductions des prix spectaculaires, hein, nous a-t-il dit. Elles ont eu lieu, finalement? À ma connaissance et à la connaissance du CCTA, aucune réduction n'a eu lieu. Donc, c'était une déclaration juste, comme je disais la dernière fois, c'est à consommation immédiate, donc à H plus 1, consommation de pré... comment dire... la date de préemption de l'annonce, elle était à H plus 1. Oui. Donc, ça ne tenait pas la route. C'est une déclaration comme ça, ne se basant sur rien du tout. C'est une, comme ça, juste du populisme, comme ils l'ont fait pour d'autres choses que je n'ose pas les citer, comme la campagne électorale et tout ça, quoi. Donc, ça n'a pas eu lieu. Et puis, on a observé des prix frôlant les 800 euros à un pari Alger. Chose qui aujourd'hui nous révolte et qui nous appelle à manifester le 20 septembre, je tiens à le rappeler, parce que le 20 septembre, devant l'agence Air Algérie à Opéra, on a un rassemblement pour dénoncer tous ces prix, toutes ces pratiques surtout, parce que ça vient des pratiques, de la gestion. Il y a quelques voix à gauche et à droite qui s'élèvent pour nous dire... il ne faut pas s'immiscer des affaires internes d'une compagnie et d'un pavillon national. Moi, je dirais que, justement, c'est à cause de cette gestion catastrophique qu'on a eu ces prix. C'est dans d'autres pays qui se respectent ces pratiques-là. Parce que d'autres pays sont passés à autre axe de développement qui est l'écologie, développement vert, l'environnement et tout ça. Et nous, on y est encore. On patine sur ces prix-là. On patine et on reste là, et puis je sais pas comment ça va se résoudre. Je lis la presse aujourd'hui, ils parlent d'audit pour régler des problèmes. Donc, il y a problème. Donc, vous saviez, moi je dirais directement à M. Roule, vous saviez déjà qu'il y avait des problèmes, et ce n'est qu'aujourd'hui que vous diligentez un audit, vous envoyez votre commission propre à vous, hein, c'est-à-dire pour appuyer vous dire, elle va directement sur Air Algérie. Nous, il nous faut une commission indépendante. Comme ça, on sortira avec des résultats qu'on pourra analyser et définir les responsabilités de chacun. Et celui qui a fait une faute, une erreur de gestion, parce que là, on est devant des responsabilités. On transporte des gens, on transporte des vies.
Voilà. Monsieur Adjouge, d'abord, précisez-nous donc cette date de cette manifestation, le lieu et la date de cette manifestation de votre collectif. Donc, le rassemblement a lieu le 20 septembre 2014 à 14h30 devant l'agence Air Algérie à Paris-Opéra. Oui. Donc, et suivi d'un autre rassemblement le mercredi 24 septembre à 13h30 devant Algérie Ferry, Oui. donc métro 3, D'accord. pour dénoncer ces tarifs et surtout les pratiques. Les pratiques, les prix, Oui. voilà, donc toute une politique derrière. Ça veut dire le mauvais accueil des passagers, le comportement un peu, j'allais dire, désinvolte des employés d'Air Algérie. On connaît tout ça. Tous les Algériens connaissent très bien de quoi vous parlez. Mais sinon, Donc, Monsieur Adjoud. excusez-moi, j'ai juste un petit point à éclaircir. Oui. J'ai un petit point à éclaircir. Et cette histoire de comportement, ça va de la mauvaise gestion des ressources humaines, parce qu'on embauche des gens qui n'ont aucun lien avec l'accueil, avec le comportement, avec le linguistique, avec des gens qui ne connaissent pas les langues, ils se comportent mal. Dans ce domaine-là, on emploie des gens qui se comportent bien, qui ont un dress code, le dress code, c'est-à-dire l'habit, le comportement, le parler. Donc, on n'emploie pas des gens, excusez-moi, je n'ai rien contre l'unité. Un balayeur, il est beaucoup plus compétent quand il balaye la route, il balaye une maison, que quand il fait autre chose. On Oui. emploie les vrais professionnels. Il ne faut pas ramener le clientélisme, le piston, comme on l'appelle chez nous, le fils de, la fille de, l'employé, juste pour avoir une petite partie en devis. La devise, ça vient d'où? Ça vient de moi, de ma poche. C'est moi qui paye derrière. La vache à lait, c'est moi. Moi, je dénonce ça, je ne paye pas pour quelqu'un d'autre, je paye juste le service qui m'est fourni, c'est tout. Mais monsieur Adjoj Yassine, Brahim Younsi parlait de velléité peut-être cachée, mais de faire des problèmes à Air Algérie pour pouvoir la faire racheter par des barons du régime ou leur parentèle ou leur clientèle. Est-ce que vous ne pensez pas que vos actions pourraient affaiblir davantage Air Algérie et la pousser, l'acculer à être privatisée? Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Dans une économie de marché, parce que l'État algérien ou bien gouvernement ou tous les gouvernements successifs s'engagent dans une économie de marché. Ce qui dit marché, c'est la libre circulation, c'est la concurrence, c'est ouvrir des opportunités aux entrepreneurs privés d'investir leurs fonds. Maintenant, si ça peut nous apporter quelque chose, pourquoi pas? S'il y a un banc privé qui se présente pour privatiser, pourquoi pas? Mais qu'il arrête de chanter cette chanson de patriotisme au point où nous accuser, nous, Algériens, moi j'ai donné de mon sang pour ce pays-là, ils nous accuser de main étrangère. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur pour cacher leur incompétence au haut lieu. Je dis bien au haut lieu, pour cacher leur incompétence, ils nous parlent de main étrangère, de lobby étranger. Quel lobby? Venez avec vos preuves. Oui. Venez, Maralibia est ouverte. On vient sur le plateau chez vous, monsieur Beginon, et on discute. Si vous avez des preuves que je ne suis pas algérien, vous me le dites devant tout le monde. Tout le monde le sache. Maintenant, la privatisation, s'il y a une privatisation, si elle m'apporte quelque chose en tant qu'usager de l'aérien, bienvenue. Mais Pourquoi pas? ça dépend, il y a privatisation et privatisation. À la limite, il y aurait eu privatisation dans un cadre donné. Je crois que Brahim Younsi pourrait nous en dire plus. À la limite, ça se comprendrait, puisque à partir du moment qu'on est rentré dans ce fameux marché, j'allais dire ce maudit marché, ça se comprendrait. Mais si c'est concocter, assassiner une compagnie, l'acculer, lui faire des problèmes, s'arranger avec des pilotes pour qu'ils se rentrent dedans, pour se télescoper leurs appareils l'un contre l'autre, voire même recruter des sangliers, pour que le général Tartampion l'achète, là, cette privatisation, je ne pense pas que vous puissiez être d'accord. Excusez-moi, Oui. j'interviens sur ce sujet-là. Oui. Quand on dit privatisation, c'est en répondant à des règles, à des normes de marché, parce que le privé qui vient investir dans une telle compagnie publique ou privée ou peu importe, moi, ça ne me regarde pas ça, il doit se plier
au règlement, il y a des règles de marché, elles sont bien écrites, bien définies. En parallèle, s'il y a une justice bien indépendante, elle pourra statuer sur les dépassements éventuels de tel ou tel privé. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez qu'en Algérie, ce n'est pas comme ça que ça se passe, M. Hadjoudj. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en Algérie. En Algérie, ça ne se passe pas comme ça. En Algérie, on assassine une compagnie. Ils ont assassiné tout un secteur industriel, des centaines de gros complexes industriels qu'ils ont revendus aux copains cochons, copains potes, les potes. Ils les ont achetés, ils ont acheté les terrains, ils ont acheté les trucs, ils les ont transformés. Puis ils les ont revendus tout de suite après, 100 fois leur prix, vous savez bien. Ça nous mène à une politique générale, à une gestion générale du pays. C'est-à-dire, je parle de l'aérien, sans oublier d'autres secteurs, parce que quand on dit aérien, il est lié à l'éducation, parce que les gens qui y travaillent, ils viennent du système éducatif, donc la politique éducative. Quand on parle de la construction, des aéroports, des infrastructures et tout ça, donc tout est lié, toute une politique générale, il faut la voir dans la globalité. Après nous, en tant que CCTA, on parle de la qualité des services à bord et au sol, on parle des prix, on parle. Moi, franchement, j'ai peur de prendre l'avion Air Algérie, piloté par un faux pilote. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je risque de laisser la vie là-haut à 9000 mètres d'altitude. Et c'est ça qui fait mal. Ces gens-là, ils sont sourds-muets, ils n'écoutent pas. Les entreprises qui se respectent, ils construisent leur économie, leur stratégie sur l'écoute des clients. Alors, Monsieur Hadjoudj, 30 secondes, s'il vous plaît, parce que pour donner le mot de la fin à Ibrahim Younsi, répondez-nous franchement, est-ce que c'est mieux sur Aigle Azur? Monsieur Hadjoudj? Oui, oui. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous êtes mieux traité, mieux accueilli, mieux transporté, moins cher sur Aigle Azur? Aigle Azur, elle pratique les prix qu'a dicté Air Algérie. Donc les prix sont les mêmes, les services sont les mêmes. C'est la copie conforme d'Air Algérie. Seulement, on parle de statut français, d'entreprise française. Donc c'est la copie conforme, c'est l'autre face de la même pièce en fait. Merci beaucoup, M. Hadjoudj. Merci beaucoup. C'est Brahim Younsi. Brahim Younsi. En attendant que nous retrouvions Brahim Younsi, Monsieur Hadjoudj. Donc vous venez de nous confirmer que bien que Aigle Azur se trouve en position de quasi-monopole avec Air Algérie, au point où ils sont entendus sur les prix à pratiquer sur la vache à lait qu'ils sont les seuls à exploiter, malgré ça, l'accueil et tout le reste, c'est pratiquement la copie conforme d'Air Algérie. Vous confirmez? Monsieur Hadjoudj, est-ce que vous... en attendant que nous retrouvions Monsieur Brahim Younsi, moi, je vous avoue que je suis un peu étonné parce que je n'ai jamais connu Aigle Azur, mais je pensais que compagnie, soi-disant française, du droit français du moins, je pensais qu'ils assuraient de meilleures prestations, au moins. C'est Brahim Younsi. Oui, je vous entends. Vous avez entendu les arguments de M. Hadjoudj? Pas tout, parce que la communication a été coupée. Un bon petit moment. Donc, j'ai entendu certaines choses. En gros, il dit privatisation. Je lui dis, est-ce que ça ne vous inquiète pas que ça privatise, comme a dit M. Brahim, il me dit, après tout, c'est la loi du marché, on est rentré dans le marché, si ça doit se privatiser, pourquoi pas, l'essentiel c'est que ça rentre dans les normes, que les prestations valables soient assurées aux passagers, la sécurité, etc. Et il semble ne pas être dérangé par une privatisation. Je lui dis que le problème c'est que la privatisation, ça ne se passe pas comme ça devrait. Si ça se privatise, c'est en faveur des barons du régime qui vont acheter comme ils ont acheté tout le secteur industriel qu'ils ont démantelé et qu'ils ont revendu juste après 100 fois leur prix initial.
Je n'avais pas non plus entendu une partie de votre propos. Ceci étant, je crois avoir compris l'essentiel de ce que vous avez dit. C'est ce que j'avais dit moi-même tout à l'heure, que un à glazure ne cesse de se développer, vous l'avez fait remarquer vous-même à juste titre, alors qu'à l'Algérie est en pleine régression. Oui. Et c'est une évidence. Cette régression prélude, de mon point de vue, à la privatisation pour le dinar symbolique. Et il y a, et vous avez des loups ou des maquignons qui attendent pour abattre la bête, en tout cas pour la récupérer. Sur la question de la privatisation, si vous me permettez, je voulais dire tout à l'heure... Vous avez une minute, Sibrahim. Il y avait aussi, et cela n'est pas un complot ni une lubie, c'est une réalité, et bien entendu cela n'est pas allé jusqu'au bout. Il y avait deux banques françaises, Lazare notamment et Rothschild, qui lorgnaient et qui étaient prêtes à soumissionner pour acheter Air Algérie. Et cette information avait été donnée, elle était, disons, de source sûre, par une lettre confidentielle qui travaillait sur le Maghreb, Maghreb confidentiel. Et en tout cas, et cela est sérieux, ces deux banques devaient entrer dans le capital de la compagnie nationale. Il en était question au moment où on parlait de la privatisation, en tout cas de l'ouverture du capital en 2000. Voilà aussi les réalités. Mais ceci est vrai, quand on veut qu'Air Algérie, pour des raisons nationalistes et footballistiques, mobilise les moyens et utilise le matériel de la compagnie, le fait, et souvenez-vous, du jour au lendemain, 10 000 peut-être plus d'Algériens avaient été transportés très très vite d'Alger vers Khartoum pour assister au match, ou participer, j'allais dire d'une autre manière, au match de l'Algérie contre l'Égypte. Quand on veut, quand le pouvoir veut montrer son nationalisme, veut montrer utilise cette compagnie au mieux des possibilités qu'elle peut offrir aux passagers algériens. Sibrahim Younsi, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum Mazoul, à la prochaine, Inch'Allah.